Salut les fines bouches! Aujourd'hui dans cette vidéo, petite vidéo très courte, on va parler d'un élément très important pour gagner en goût systématiquement dès lors qu'on fait une viande qu'on appelle bouillie. Bouillie, c'est cuit dans un liquide, comme par exemple la blanquette de veau, le petit salé, le bœuf mode. Il faut systématiquement et sans réserve blanchir la viande. Blanchir la viande, c'est quoi? Blanchir la viande, c'est prendre la viande, la mettre dans un récipient d'eau, juste couvert à hauteur, d'accord? On ne met rien dedans. On allume le feu et on laisse chauffer eau froide, portée à ébullition. Dès qu'il y a ébullition, vous allez voir ce que ça fait et on va voir ce qu'on va retirer et vous allez comprendre. A tout de suite. Ben, vous voyez, c'est en train de... pas loin de l'ébullition. Et on voit que les impuretés de la viande commencent à sortir, il y en a plein au fond. Quand on sait qu'on mange ça, si on ne fait pas cette étape de blanchir, croyez-moi, c'est pas du temps de perdu. Un quart d'heure, l'eau froide montée en ébullition, ça boue, vous voyez. Regardez toutes ces impuretés. Regardez tout ça, au fond il y en a plein. Tout ça, c'est ce dont on va se débarrasser en enlevant chaque morceau de viande et en nettoyant chaque morceau de viande sous l'eau, un par un, pour le débarrasser de tout ça. Ça, c'est de l'aigreur. Ça, c'est ce que la viande rejette parce que c'est pas bon. Ça, c'est une fois sur deux, une blanquette qui ou un plat cuisiné qui va manquer de finesse. Croyez-moi, regardez tout ça. Voilà, coupe le feu. Je vais donc aller nettoyer ces morceaux de viande un par un en les passant sous l'eau fraîche. Je vais attendre un peu que ça refroidisse, donc je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Je vous dis à vos fourneaux et à bientôt les amis. Alors, tout se passe bien ?